appeler les yeux en amande et un assez joli minois. Depuis ce jour, je me demande ce qu'il lui a pas plu en moi. Je l'avais rencontré tout près du Panthéon et je lui avais fait un clin d'œil séducteur. Comme vous pouvez le voir, je suis très beau garçon. Je pris au creux de ma main sa taille avec ferveur. Elle avait les yeux en amande et un assez joli minois. Depuis ce jour, je me demande ce qui lui a pas plu en moi. J'en serrais fort sa taille en quittant mes lunettes, lui faisant remarquer ma chevelure soyeuse, sa robe décolletée tenait lieu de serviette. Et je pouvais cracher ma tendresse baveuse. Elle avait les yeux en amande et un assez joli minois. Depuis ce jour, je me demande ce qu'il lui a pas plu en moi. Elle me cria soudain, monsieur, vous êtes fou. Je lui dis, je l'étais, mais cela fait 2 ans à l'asile. Je ne rêvais que d'une fille comme vous. Et si vous le voulez, nous aurons des enfants. Mais tandis que je la trouvais bien trop jolie, je reçus sur la tête un coup de poing rageur, me laissant seul à bord de ma flamme flétrie. Sans le moindre câlin, sans la moindre douceur, elle avait les yeux en amande et un assez joli minois. Depuis ce jour, je me demande ce qui ne lui a pas plu en moi. Depuis ce jour,